La Titia Casta est sans conteste l'une des plus belles femmes du monde. Ancien mannequin qui a fait la une de tous les magazines les plus prestigieux de la planète, et défilé sur tous les podiums les plus fashion sur Terre, la jolie Corse a fait tourner toutes les têtes, et on imagine interminable, la liste des prétendants, qui ont voulu partager un bout de chemin avec elle. Pourtant, même si la Tita Casta a toujours été très discrète sur sa vie privée, et qu'elle a confié à Vanity Fair, « Je ne suis pas dans la séduction », on ne lui connaît que peu d'histoires d'amour sérieuses, de celles qui comptent et qui marquent une vie. Tout d'abord, la Tita Casta a vécu avec le photographe Stéphane Sednaoui. À l'époque, elle a quitté le monde de la mode et fait ses premiers pas au cinéma. De leur liaison est né un enfant, Satine, née en 2001. Puis, celle qui est désormais une actrice à part entière a partagé pendant 10 ans la vie de Stefano Accorsi, un acteur italien très populaire, avec lequel elle a eu deux enfants, Orlando née en 2006 et Athéna née en 2009. À Paris Match, elle confiait avec pudeur sur l'amour, les hommes. Quand je tombe amoureuse, je sais que ça va tout changer, que c'est pour longtemps. Je dois faire gaffe avant de m'engager, parce qu'avec moi ces choses-là ont toujours des conséquences. Bien sûr, j'ai fait des choix. Il y a eu des moments heureux. Des chagrins, aussi. Je me suis longtemps sentie guerrière. J'ai cru qu'il fallait aller chercher les choses avec force. Maintenant, c'est fini, je dépose les armes. Mais je ne regrette rien. J'ai besoin d'être libre. Je suis comme l'oiseau, qui part et qui revient sur l'épaule. Un homme ne peut pas me mettre dans une cage. Je suis nomade, personne ne saurait m'enfermer. Je ne veux pas être dépendante. Je ne choisis jamais un homme par besoin. Toutes les femmes n'ont pas cette chance. Guillemets interrogée par nos confrères sur le mariage, elle avait cette réponse énigmatique, « Fermez les guillemets, on ne l'épouse pas comme ça. » Je suis romantique. Se marier, c'est vieillir ensemble. En ce moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je suis une mauvaise fille, _ guillemets crédit photo, Nivier _ Villard _ Sipa.